Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur la chaîne Sport en France. J'ai le plaisir de vous accueillir pour la finale féminine du 4e tournoi national de l'année qui opposera donc Sabria Brunet contre Colette Henriksson. Donc deux belles joueuses qui vont certainement vous vendre du spectacle. Avec moi aujourd'hui, je suis accompagnée de Lénie Bern du club de Marsanne. Bonjour Lénie. Bonjour. Voilà, donc du coup, il va commenter cette finale féminine avec moi. Alors, récapitulons un petit peu ce qui s'est passé au niveau du tableau féminin pour Sabria Brunet. Donc au premier tour, elle a rencontré Marion Boireau, elle a gagné contre Marion 4-1. Et ensuite, elle a rencontré Mathilde Bouvy. Elle a gagné aussi 4-1. Elle est en forme, la Sabria. Et ensuite, elle a gagné contre moi-même, Émilie Fesquet. 4-1 aussi, du coup, on reste stable au niveau du score. Bravo, Sab. Et ensuite, du côté de Colette, elle a rencontré Rosalia Di Liberto. Elle s'oppose 4-2 contre Rosalia. Et ensuite, elle a rencontré Émilie Carnero, 4-1, puis Ophélie Laval, 4-2. Donc, nous revoilà. Alors, ça va bientôt commencer. Lénie, dis-moi donc, qu'est-ce que tu as fait, toi, un petit peu, hier? Tu es en jeune, c'est ça? Non, j'ai pas pu m'inscrire hier en espoir. Mais aujourd'hui, j'ai joué le premier tour du mixte. Et alors? J'ai gagné à la belle. Bien. C'était un match serré. Ouais. Bon, super. Donc... voyons voir. Alors, je pense que la finale va bientôt commencer. Donc, vous voyez à l'image, du coup, le classement féminin. Vous voyez, du coup, oh là là, Sabria passe devant Ophélie Laval. Alors là, je croyais qu'Ophélie était la première au classement. Eh bien, non. Il faut savoir que la dernière finale au 3e TN a été remportée par Colette Henriksson contre Ophélie Laval. Ça a été, de mémoire, ça a été sur le score, je crois, de 4-1 ou 4-0, je ne sais plus. Allez, ça va commencer. Tirage à la bande de la part des deux joueuses qui sera remportée par Colette Henriksson. C'est parti. Donc vous allez voir, pendant tout ce match, on va vous rappeler un petit peu les règles de jeu, on va vous expliquer un petit peu les coups qui vont être joués par les deux joueuses. Hein. Alors Colette se prépare à casser. Allez, le triangle est fait et nous allons pouvoir débuter ce spectacle de finale féminine qui oppose vraiment, je le disais tout à l'heure, deux très belles joueuses avec un palmarès à en faire pâlir plus d'une, très clairement. Et un palmarès, je dis bien, international. C'est parti. Alors, c'est bon. Colette empoche donc une jaune, c'est-à-dire que ça lui donne le droit, du coup, de rester sur la table et de pouvoir confirmer une couleur. C'est-à-dire que là, du coup, si elle veut les jaunes, elle va devoir re-rentrer une autre jaune pour confirmer sa couleur, ou inversement, si elle veut les rouges. Alors, elle a plutôt une belle table. Hein, t'en penses quoi, toi, Lénie? Je vois pas où serait la moindre difficulté pour une joueuse de ce calibre-là. Attention, on va voir si elle fait une casse ferme, c'est-à-dire que la joueuse casse et elle rentre une par une toutes les billes de sa couleur, plus en dernier la noire. Donc, c'est-à-dire que si ça se passe, Sabria Brunet n'aura pas touché la table, tout simplement. C'est bien là le bon angle. Oui, tout à fait, pour revenir en haut de la table. C'est ça. Hein, c'est vrai, oui. Du coup, si elle peut revenir en haut de la table, elle pourra se replacer sur ces trois jaunes, hein, tout simplement. Hein. Oui, oui. Alors après, la deuxième jaune en poche, il y a la celle en poche du milieu. Oh,
Oui. Alors là, pour le coup, son coup était plutôt bien joué au niveau du dosage, mais il aurait fallu qu'elle mette peut-être un peu plus d'effet latéral à gauche pour ressortir plus loin sur la bande, tout simplement, pour qu'au lieu qu'elle touche cette rouge et qu'elle reste derrière la rouge, qu'elle soit devant la rouge. Et oui. Peut-être pas forcément un effet latéral, mais une hauteur d'attaque un peu plus basse. Oui, tout à fait, Lénie, tout à fait, c'est ça. Complètement. Donc là, elle se retrouve eh bien, totale. Donc elle va faire une bande avant pour essayer de venir rentrer sa jaune. Oh, dommage. Oh, c'est dommage. Ah oui, c'était bien joué. C'était bien joué. Eh bien, allez, c'est parti pour Sabria Brunet qui prend la main sur cette première partie de la finale féminine. Une table rouge très ouverte. Oui. Alors, la seule difficulté qu'on pourrait lui dire, c'est cette rouge en haut à droite qui est un petit peu vers la petite bande. Mais tout ça, elle va s'en occuper très rapidement d'ailleurs. Elle va rentrer la rouge dans le coin gauche là-bas et ensuite elle va aller la chercher pour redescendre sur ses billes en bas. Donc Sabria aussi pareil, hein, une excellente joueuse hein, qui fait partie donc avec Marion Jude des deux féminines qui font partie du Black Ball Master, hein, des 32 meilleurs joueurs français. Et donc c'est une première très clairement pour la catégorie féminine. Donc merci à elle d'être là et de pouvoir combattre dans ce prodigieux tableau. Allez, voyons voir. Donc là, c'est la difficulté de la table. Donc elle va la jouer avec l'auteur d'attaque basse pour essayer de bien ressortir et bien revenir en bas de la table. Ouais, elle reste en... Oui, d'accord, ok. Elle va jouer au milieu, du coup. Hein. On va peut-être essayer de s'arrêter sur la noire pour garder les angles. Ouais. Peut-être qu'elle voulait un peu moins d'angle. Oui, c'est sûr. Cela, du coup, elle va cogner un petit peu la noire, je pense, sur le côté. Bah, elle va rester dessus, je pense. Ouais, elle va rester dessus. Ouais, d'accord, je vois mieux là, en effet. Ah non, même pas. Bah ouais, elle pouvait pas rester dessus, elle avait trop d'angles. Hein. Donc du coup, eh bien, elle a préféré jouer dans le roulement avec la blanche et puis venir tout simplement s'arrêter dans ses rouges. Donc c'est là, bah, elle est très bien. Hein. Elle va jouer au milieu. Cette rouge qui est au milieu de table, hein, elle va la jouer dans la poche du milieu à droite pour se replacer sur la bille rouge qui est sur la grande bande. Voilà, et c'est parfait. C'est absolument parfait puisque du coup, elle l'a juste à pousser jusqu'au bout. Tout en gardant l'angle pour ressortir. Exactement, pour pas rester cette blanche collée bande, hein, qui est pour nous une difficulté quand même majeure. Hein. C'est ça. Alors voyons voir. Donc Sabria Brunet aussi. Je parlais de Colette Henriksson qui a gagné donc le dernier féminin, mais que Sabria, elle a gagné de mémoire, si je ne me trompe pas, le tournoi national numéro 2. Hein, elle avait extrêmement bien joué aussi. Elle était très en forme. Donc voyons voir un petit peu ce qu'elle va faire. Va-t-elle prendre le premier point de la finale ? Voilà, c'est bien. Elle se relève. Voilà. Elle prend son temps puisqu'il faut savoir qu'elles sont chronométrées. Hein. Donc elles sont chronométrées 30 secondes. C'est-à-dire qu'elles doivent jouer le coup en 30 secondes. Ouais, c'est pas mal. C'est juste une visée. Elle sait ça. Elle sait faire. Voyons voir, est-ce que Colette va reprendre la main ou non ? On va le savoir d'ici quelques secondes. Bravo Sabria, bravo. Voilà, ça c'est très bien de toute façon, hein, comme d'habitude. Elle sait en fait, si vous voulez, elle sait pertinemment que quand elle arrive sur la noire, pour elle, elle doit rentrer point final. C'est comme ça. Elle a fait le taf avant, donc elle se dit aucun moyen, il n'y a pas moyen, comme elle dit très souvent, il n'y a pas moyen, je la rentre. Je vais en profiter pour cette petite pause, là, le temps que l'arbitre refasse le triangle. Je voudrais donc remercier le club de Marsanne, hein, dans lequel je fais partie, et donc Lenny Bern aussi, hein, qui commente avec moi en ce moment même, et donc David Crow aussi, le président, qui fait pour nous énormément de choses. Voilà, un petit club de Marsanne, mais qui a un potentiel assez énorme. Allez, la casse à Sabria Brunet. Donc, pour le moment, nous sommes à 1-0 pour Sabria. Et donc, je ne vous ai pas dit ça tout à l'heure, c'est la première à 4. Donc, c'est-à-dire que la première qui arrive à 4 points, eh bien, du coup, gagne la finale féminine.
Donc concentration, Sabria est une joueuse qui casse sur la deuxième bille. C'est-à-dire que ça fait quand même une classe plutôt éclatée, mais elle arrive... Ouais, voilà, c'est ça, c'est parfait. Elle contrôle plutôt bien la blanche, hein, c'est bien ce qu'elle fait. Hein. C'est bien, c'est bien. Alors là, une fois de plus, hein. La table est ouverte, hein, comme on dit. Table rouge, ouais. Eh oui, oui, oui. Hein. Ah bah, elle se rue sur les rouges. Hein. Table rouge ouverte. Ah oui. Pas de complications. Oui, j'ai pas l'impression. À la rigueur, peut-être la seule... Ouh, ouh là là là. Ah, c'est un peu juste. Oui. La seule complication, le coup... c'était la rouge à côté de la noire. Mais si elle se mettait un peu plus d'angle à droite, elle pouvait régler la complication. Exactement, tout à fait. Alors peut-être celle qui aurait aussi pu poser problème, enfin qui lui posera problème peut-être plus tard, c'est la rouge qui est au milieu de table en bas, derrière les trois jaunes que l'on peut, que l'on peut voir. Voilà, c'est celle-ci qui peut vraiment l'embêter. Bon, ça c'est une formalité. Hein. Voyons voir si elle va aller au bout de cette table. Donc Sabria, c'est aussi une joueuse comme Colette. Hein. Ce sont deux joueuses qui jouent plutôt rapidement. Donc du coup, le fait qu'elles soient chronométrées ne les dérange pas forcément. Non. Je dirais plutôt que c'est même un avantage parce qu'elles gardent leur rythme de croisière, ce qui leur permet justement de jouer à leur meilleur niveau. Elle n'a pas l'air de passer, cette rouge. J'ai pas l'impression. Alors attention, il reste... Alors est-ce qu'elle a... Elle a demandé l'extension. D'accord, je n'avais pas entendu. Donc, chaque joueuse a le droit à une extension de 30 secondes par partie. Donc, Sabria vient de demander 30 secondes supplémentaires hein, pour jouer ce coup. Et donc, du coup, pour cette partie-là, elle n'aura plus le droit de demander l'extension. Alors, comment elle va la chercher, ça aussi. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'elle peut... Alors, j'ai du mal à voir l'angle. Est-ce qu'elle peut tout simplement couler ? Elle va passer derrière, je pense. Voilà. Ah ouais, non, d'accord. Ok, donc là, elle finit le bas de table. Peut-être. Oui, bah, en même temps, oui, elle se garde cette rouge à côté de la noire pour la fin. Oui, oui, tout à fait. Là, elle va jouer... Ouais, elle va s'arrêter sur la rouge. Sur la jaune. Sur la jaune. Elle va rentrer la rouge. Ah oui, je voyais pas l'angle. S'arrêter sur la jaune. Exact. Oui, oui, tout à fait. Oui, voilà, parfait. Voilà, c'est là, au moins, je vois bien l'angle. C'est parfait. Et... Aïe. C'était pas une vie facile celle-ci. Oui, 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 c'est ça, mais elle s'est relevée assez rapidement. Puisque normalement c'est une joueuse, une table comme ça, sait que une de ces deux joueuses reprend la main, on n'est pas sûr d'en voir la table quoi. Eh bien, allez Colette, hein, du coup. Colette qui a pas une table. Voilà. Oui. Alors là, le coup de Colette était quand même plutôt bien joué. Hein. Tout simplement puisque en rentrant sa bille jaune au milieu, elle a souhaité aller rentrer aussi la bille rouge de Sabria Brunet. C'est-à-dire qu'on appelle ça un coup technique, ça s'appelle le doublé. On a le droit de rentrer une bille de notre couleur plus une bille de la couleur de l'adversaire. Et donc ainsi, elle aurait pu libérer cette poche pour faire passer sa jaune qui est en bande, quoi, tout simplement. Alors, Sabria, j'ai du mal à voir, Lénie. Est-ce que tu vois, toi, est-ce qu'elle peut ressortir avec sa bille en poche, refaire une bande et revenir ? Je pense qu'elle va prendre beaucoup de rétro, beaucoup de plein, ouais. Et revenir tout droit, même d'accord. Quitte à avoir un angle sur la rouge, autant la jouer. Oh, mais c'est parfait ce qu'elle fait. Bien sûr, elle revient en poche du milieu. Mais oui. Bien sûr, Sabria. Le problème là, c'est qu'il y a pas mal d'angles du coup sur sa rouge. C'est vrai. Ce qui va faire voyager la blanche. Ouais. Est-ce qu'elle va tenter peut-être de s'arrêter sur une jaune ? Oui, oui. Sur la jaune là qu'elle a regardée peut-être. Il n'y a pas trop le choix, je pense. Ouais. Hein ? Voyons voir. C'est sur la jaune entre c'est le coup du milieu, de la là. Partie là. Oui, c'est ça. Hein. Exactement. Et hop parfait. Là. Oh, dommage. Je la voyais dedans. Ah oui, moi aussi. Hein. Elle était bien tapée parce que faut savoir que la blanche était une fois de plus la collée bande. Ce sont des billes qui sont vraiment pas simples. Allez, c'est parti. Colette à l'attaque. C'est parfait. Oui, exactement. Elle assure la partie, c'est-à-dire qu'elle va enlever une de ses principales difficultés et mettre en même temps Total Sabria. Donc j'explique Total, c'est-à-dire que Sabria ne voit pas sa bille rouge. C'est-à-dire qu'elle peut la toucher, mais qu'en faisant une bande avant. Et donc, c'est ce qu'elle est en train de calculer et c'est ce qu'elle s'apprête à faire. Attention, c'est bien tapé, hein, c'est très bien tapé. C'est très bien tapé. Par contre, elle n'a pas forcément de réussite sur le fait qu'elle touche sa rouge, mais en même temps, elle place
idéalement Colette pour tout de suite rentrer sa difficulté en longée de bande. Voilà. Donc là, Colette, je pense qu'elle va partir directement à l'attaque. Voilà. Là, elle a une table ouverte. C'est parti. La machine Colette est mise en route. Voyons voir. Donc une joueuse aussi, hein, posée, rigoureuse, très concentrée. Ouais, super. Bravo. Voyons voir si elle va essayer de revenir coller, recoller au score pour que ça fasse 1-1 à la fin de cette partie. Je répète, c'est la première en 4 qui arrive à 4. Partie gagnée. Très bien. Le rebond sur bande, c'est parfait. C'est parfait, hein, tout simplement. Parfait. Elle vient se repositionner sur minimum 2 billes. Comme ça, eh bien, ça lui donne bien plus de combinaisons possibles, hein, pour terminer la table. Donc c'est vraiment parfait ce qu'elle fait. Elle pousse juste. Hop, voilà. Donc là, non, excusez-moi, pardon. Elle n'a pas poussé. Elle a fait une petite hauteur d'attaque au centre. Alors, elle va jouer ensuite sa dernière jaune au milieu. C'est ce qu'elle regardait. Doucement. Voilà. On est plutôt pas mal au niveau de l'angle. Oui, on est bien. On est plutôt pas mal. Est-ce qu'elle va juste faire un petit amorti? Oui, ah non, elle va. Ouais. Ouf. D'accord. Ok. C'est juste. Oui. Elle s'est dit, écoute, je pense qu'elle s'est dit, voilà, je vais venir taper forcément dans la noire. Et puis ensuite, bon, ouais, voilà, c'est une joueuse, hein, qui a une visée magnifique. Alors, à voir. Alors, ces billes-là sont pas simples, hein, puisqu'on a du mal à voir l'angle exact de visée. Elle est belle. Elle est belle. Bravo Colette. Bravo. Voilà. Belle fin de table. Hein. Bien. Elle a tout bien fait pour pouvoir se donner un maximum de chances de fermer cette table jaune. Donc là, ça va être la casse de mémoire. C'est à Colette. C'est ça. 1-1. Je crois. Sabria, je crois bien. Sabria, d'accord. Ouais. Je sais plus qui est-ce qui avait cassé en premier. On va voir. On va voir quelle joueuse va se lever. Allez, c'est parti, 1-1. Colette recolle au score. Table 30, Nicolas Robert. C'est parti. Ah non, casse à Colette. Casse à Colette. Allez, go. Là, vraiment, hein, mesdames et messieurs, il faut savoir que c'est une finale féminine avec deux très belles joueuses, hein, je vous le redis. Vraiment, si vous venez à l'instant d'arriver sur la chaîne Sport en France, restez avec nous, puisqu'il faut savoir que là, c'est vraiment du spectacle et presque, je dirais, du professionnel que vous allez pouvoir voir en billard féminin, hein, tout simplement. Donc vraiment, je vous recommande de rester avec nous si vous voulez voir du sacré spectacle. Alors, Colette, elle vient de casser et vient de rentrer une bille, ce qui lui ouvre le droit de rester sur la table et de choisir sa couleur. Et je le répète une fois de plus, il faut savoir que pour qu'elle confirme sa couleur, il faut qu'elle rentre la bille qu'elle va toucher. Elle choisit de partir sur les jaunes. Allez, c'est parti. Alors, il y a quand même pas mal de travail, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lenny. Pour moi, il n'y aurait qu'une seule complication, ça serait les deux jaunes au centre de la table. D'accord. À côté de la rouge. Oui. Je ne sais pas si la jaune la plus à droite passe au fond. Voilà, c'est ça. Exact. Donc elle va essayer de résoudre le problème tout de suite. On a du mal. Alors regardons. Alors déjà ici, on peut pas. Déjà, moi, ce que j'avais un doute, c'était le bille sur bille, il passe pas au milieu. Non, mais elle va résoudre le problème tout de suite. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, oui, elle va enlever la première jaune qui est le plus à l'extrémité pour peut-être même jouer la jaune la plus proche de cette rouge, comme tu disais juste après, au milieu. Ou juste donc, aller les buter pour... Oui. Ah non, elle va pas... Oui, là en fait, non, elle termine le bas de table. Oui, tout à fait. Elle D'accord. se dit autant terminer le bas de table, puisque vu que la noire est certainement en haut de table, elle se dit autant terminer par là-bas, quoi. Donc là, elle va essayer de remonter pour tout de suite jouer ces fameuses deux jaunes dont tu parles. On va voir quel angle, avec quel angle elle se laisse et où est-ce qu'elle va arriver. Elle risque d'un... Ouais, voilà, ça. Voilà, donc là, elle a mis un peu d'effet latéral. J'ai du mal à gauche, pardon, pour pouvoir revenir un peu mieux
sur les jaunes. Mais j'ai l'impression que, ouais, elle voulait peut-être arriver avec moins d'angle sur la jaune qui est le plus extrême à la rouge, on va dire. Les deux jaunes qui sont collés, quoi. La jaune de droite, pardon. Je pense qu'elle aurait dû régler le problème tout de suite. Tout de suite, oui, c'est elle vrai. Elle était droite dessus, mais autant le régler. Et après, aller chercher... C'est vrai. C'est bien joué. Alors attention à la jaune qui est à côté de la noire. Elle passe au fond ? Je pense pas, non. Mais elle a un angle sur la bille du milieu, celle qui est en face. D'accord. Je pense qu'elle va faire un petit rétro. Pour venir... Non, même pas, couler. Tout simplement, elle passe. Elle doit passer au milieu. Ok. Ou à moins, elle va faire une bande, peut-être ? Bande pour aller la faire tomber dans la poche. Ouais, elle regarde où est-ce que la noire passe. Je pense qu'elle va la pousser bêtement au milieu. Oui. D'accord. Elle va venir un tout petit peu. Ah oui, tu as raison. Toucher la noire. Ouais, ouais, exact. C'est dommage. Oui, bon, elle passe fine. C'est pas un souci pour elle aussi, ça. Attention, voyons voir si ça va faire 2-1 pour Colette Henriksson. Bravo Colette. Alors bah parfait, tout simplement elle sait qu'elle doit que rentrer la noire, elle a pas de risque de blanche, quoi que ce soit, en jouant cette bille blanche comme elle l'a fait. C'était parfait. Allez, c'est parti, Colette qui mène au score pour la première fois du match du coup. Et ça va être à Sabria Brunet de casser. Donc très très belle open hein, de la part de la ville de Dreux, du club aussi. Nous sommes très bien accueillis et vraiment la salle est très très bien. Bravo à vous une fois de plus hein, à ces clubs qui se portent volontaires pour organiser donc les tournois nationaux et qui font tout leur possible pour nous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Allez c'est parti. Sabria Brunet. À la casse pour la quatrième partie de cette finale féminine. Donc toujours une grande concentration. Hein. Il faut savoir que la casse est un coup de technique et vraiment qui nous donne un avantage incroyable dès qu'on rentre une bille. Hein. Donc on a le choix des couleurs et donc ça veut dire le choix du meilleur jeu possible sur la table. Forcément, pour nous, c'est très important de pouvoir rentrer une bille. Une table jaune ouverte, encore une fois. Oui, oui, oui. Alors, on peut voir deux quand même difficultés. Hein, la jaune qui est en dessous la noire, à côté de la rouge. Puis de l'autre côté, la bille jaune qui est plutôt collée bande, hein, qui est très, très proche de la bande. Donc, forcément, elle part sur jaune, ça c'est sûr. C'est la table la plus ouverte. Voyons voir comment elle va un petit peu remédier à tout ça. Alors, elle voulait aller chercher peut-être direct tout de suite cette bille jaune. Derrière la noire, vers la bande et pour ensuite essayer de jouer cette jaune qui est vers la noire au milieu. Je pense que là elle s'est laissé l'angle parfait pour aller chercher du coup c'est pas mal, ça. La jaune derrière la noire et après au pire des cas elle aura tout pas du tout. Okay. Elle finit la fin de table à haut, elle se dit comme ça au moins ce sera fait. Hop là. Alors faut savoir que quand nous cassons, on appelle ça, on dit souvent qu'on essaye de faire une lecture de table, c'est-à-dire que telle ou telle bille, on va essayer de créer un chemin jusqu'à la noire pour pouvoir terminer au mieux la table et ne laisser aucune chance à l'adversaire de jouer cette partie tout simplement, et donc de faire une casse ferme. Sabria Brunet est forcément une féminine qui a une belle lecture de table et surtout aussi qui connaît très très bien sa blanche. Elle sait très bien la travailler. Hein, donc forcément, tout va avec. Donc normalement, là, elle va y aller. Mais voilà, c'est ça. Allez, c'est parti, voyons voir. Si elle rentre celle-ci, je dirais que le trois quarts du travail est fait. Waouh! Ouais, trop. Un peu trop d'angle. Trop basse. Elle voulait pas revenir autant, elle voulait rester dans la petite fenêtre entre la rouge et la noire. Et ouais. Je
pense que si elle arrive un petit peu avancée en pochant cette jaune-là... Oui, voilà, elle peut faire le rebond sur bande avec un peu d'effet latéral. Oui, voilà. Mmh. Elle peut peut-être jouer du coup la jaune au milieu, celle qui est derrière la noire. Oui. Peut-être pas se donner une replace parfaite, mais assez mais pour... Voilà, au moins voir la bille, tout simplement. Après, elle a une visée telle que... Bien joué. Allez, bon, là par contre, pour le coup, pour jouer la noire derrière... Il va falloir innover aussi. Hein. Il va falloir, comme elle dit, il va falloir briller, Sabrina Brunet. Moi, je pense qu'elle a assez de... La blanche, elle a pas beaucoup de... va pas avoir beaucoup de trajet, donc elle pourrait se replacer pour le milieu, je pense. Ok, d'accord. Eh ben, voyons voir, son choix. Donc là, elle regarde le chronomètre. Elle a pas... Je pense qu'elle a demandé l'extension. Voilà, c'était la partie d'avant où elle l'avait demandé... C'est ça, exactement. Elle a pris l'extension. Donc, ce qui lui donne droit à 30 secondes en plus pour jouer ce coup qui va être décisif, hein, pour savoir si elle va gagner ce point ou non. Si elle arrive à buter un tout petit peu la rouge après avoir poché... Ah non. Oula, oui. Oh. Elle s'est relevée plutôt vite, hein, cette Sabria. Elle s'est relevée très très vite. Alors, la main passe, c'est parti. Colette Henriksson reprend la table. Une table rouge pas si simple que ça. C'est cette rouge en haut, là, tout en haut, qui est sur la petite bande toute seule. Il va falloir aller s'en occuper assez rapidement. Hein. Et puis la noire, du coup, qui est venue se mettre vers la bande. Pas simple non plus. Allez, elle décide d'attaquer. De toute façon, là, la table quand même reste ouverte. Hein, c'est... On va y aller maintenant. Avec celle du milieu. Non, elle décide peut-être de terminer le bas. Et je pense que là, elle voulait jouer la rouge qui est juste en dessous de la blanche. Mais elle s'est mis un peu trop d'angle pour faire le longer de bande. Donc du coup, elle décide peut-être de partir. Ouais, voilà, elle hésite. Elle hésite à la jouer maintenant. Mais je pense que oui, parce qu'elle peut même à la rigueur prendre l'appui jaune. Non, elle va jouer tout de suite. Allez. Alors, après, je sais pas. Ah, ben voilà. Donc là, la rouge, et ouais, elle ne passe plus. La jaune prend le dessus au niveau de la poche. Donc, oui, il va falloir qu'elle vienne rechercher cette rouge en bas, là, qui est juste en dessous de la blanche. Donc, elle va se permettre de jouer. Voilà. Elle va aller chercher. C'est super bien joué. Oui, oui, très bien joué. Le dosage était parfait. Alors Sabria qui est en train de se marteler le cerveau pour se dire mais c'est pas possible, comment j'ai pu louper ça? Je pense qu'elle s'en veut de la bille qu'elle a loupée. Oui. Même le replacement en fait tout simplement d'avant, ouais, c'était... elle s'en veut par rapport à ça. Ouais. Je pense que quand il y avait 1-0 pour Sabria, quand elle a loupé du coup sa rouge, je crois... ça aurait fait 2-0 pour Sabria et c'est plus le même match derrière. Et voilà, exactement. Psychologiquement parlant, c'est vrai qu'il faut souligner ceci puisque dans un match, on peut... Oh, ça rentre. Oh oui, ça rentre. C'est parfait. Et donc, je vous disais que dans un match, psychologiquement parlant, on peut passer par différentes phases. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une phase ascendante, donc c'est-à-dire qu'on a l'ascendant sur son adversaire, hein, psychologiquement parlant. Et d'un coup, on loupe une bille plutôt importante qui nous fait perdre la partie. Du coup, et ben c'est l'adversaire qui prend l'ascendant psychologique sur cette partie-là. Et ça peut vite, vite tourner, puisque... Oh ! Ah, elle laisse rien à jouer. Ah oui, d'accord. Oula ! Alors, c'est assez, c'est assez rare hein, de voir ces joueuses-là rater des coups, hein, tout simplement. Et bien, est-ce qu'il laisse une chance hein, pour essayer de gagner ce point à Sabria? Elle a de la chance de revenir sur la table. Et il faut la prendre. Hein. C'est parti. Hein. On se plaint pas. Donc là, elle va faire un petit coup d'attaque-défense. Elle va mettre la blanche en haut de billard. Voilà. Et en même temps, essayer de venir snooker. Bravo. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué. Bravo, Sabria. C'est bien joué. Donc là, Colette se retrouve, je pense, partielle. C'est-à-dire qu'elle voit un côté de sa rouge, mais pas le bon côté pour pouvoir rentrer cette rouge en poche dans le coin en bas à droite.
Alors, je pense qu'elle va essayer de venir la prendre, mais de mettre, voilà, de mettre la blanche au plus mal pour ça. C'est très bien joué. Bravo, Colette. Bravo, Colette. Là, vraiment, c'est ce qu'elles nous font voir en termes de stratégie au niveau de la blanche, c'est très, très bien. C'est très, très beau. Donc, Sabria se retrouve avec un coup très difficile puisque la blanche est collée bande et elle va tenter de... Alors, elle va la tenter au milieu. Bravo. Oh, bien joué, Sabria. Oh là là, très, très bien joué. Allez, là, elle le sait. Hein, c'est une visée, comme elle le dit. C'est une visée. Donc, est-ce qu'elle va la tenter en bande? Je pense que oui. Je pense qu'elle va essayer de la tenter en bande. Sabria est plutôt assez coriace en bande, je dirais. Donc en bande, c'est-à-dire qu'elle va essayer de mettre la noire dans le coin droit. J'ai pas l'impression. Non. Ouais. Oh non, oh oui, oui, d'accord, ok. Elle s'est relevée vite encore une fois de plus, là. C'est peut-être un peu le stress, un peu la pression. Eh bien, on est à son comble en niveau suspense pour cette cinquième partie. Pardon, quatrième partie. Colette qui décide de ramener sa rouge vers la noire, mais surtout de laisser cette blanche en haut de la table, qui va forcément créer une grosse difficulté pour Sabria pour essayer d'empocher cette noire. Alors, va-t-elle la tenter fine ou juste la bande venir la découler? Ouais, c'est ça, elle va essayer. Et forcément, hein, une fois de plus, hein, elle la joue de façon à ce que la blanche vienne se positionner sur un endroit sur le billard qui soit pas simple pour Colette, hein, tout simplement de fermer cette table. Alors, je crois qu'elle a regardé si elle passait en bande la rouge pour venir prendre la poche de la noire. J'ai cru voir au niveau de son comportement. Et je ne sais pas. Ouais, si, non, je elle pense. Elle va la tenter direct. En bas à droite. Ouais. 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 Waouh. Bien joué. Très belle bille. Bien joué. Et ouais, là, par contre, si elle met la noire, pardon, ça va plus être le même match. Hein. Ouh. Ouh. C'est passé. Juste, mais c'est passé. Eh bien, nous voilà maintenant au score de 3-1. Pour Colette Henriksson qui prend le large. Donc Sabria le sait, elle a plus le choix. C'est maintenant qu'il faut se réveiller, c'est maintenant qu'il faut briller, puisque si Colette prend cette partie, eh bien elle aura gagné la finale féminine du 4e tournoi national. Et en plus, je crois que c'est à Colette de casser. Et oui, c'est à Colette de casser. Plus qu'une partie pour que Colette gagne cette finale. Oui. Voyons voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir le droit encore à une finale à suspense? Est-ce que Sabria va pouvoir remonter et égaliser à 3-3? Ce ne sera pas simple, mais elle est capable de le faire. Et Colette est capable aussi... sur cette partie de casser, et si la casse est belle, elle est capable aussi de fermer cette table, hein, tout simplement. Allez, on va tout de suite le savoir. Oh, 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 elle ne rentre rien à la casse. Mais elle laisse rien à son adversaire. Et oui, c'est pas simple là. Ouh là là, Sabria le sait. Mal à savoir si la rouge du milieu passe. Voilà, exactement, c'est la question que je me posais aussi. Alors il y a deux rouges vers le milieu de table et c'est celle qui est un peu plus proche de nous. Voilà, c'est ce qu'elle regarde, hein. Est-ce qu'elle passe? La couleur la plus intéressante de toute manière, c'est les rouges plus ouvertes. Il y en a une qui cache une jaune. Ouais. Les deux jeux sont plutôt pas mal, hein. Après, c'est vrai quand même que là, la jaune, oui, en effet, qui est vers la rouge en haut, elle est toute seule, donc oui, en effet, ça peut être une difficulté. Après, bravo. Ouais, bravo. Donc là, elle a essayé de tout de suite se replacer sur cette rouge-là, hein, et c'est très bien joué.
Bravo. Elle est sereine. Oui, oui. Donc, tout à fait. Donc là, elle est en train de se débarrasser du bas de la table pour venir en haut et finir tout simplement par le haut de table, hein, par ces rouges qui sont en haut de la table. Alors, voyons voir un petit peu comment elle va ressortir sur cette rouge. Ouais, elle vient choquer. C'est plutôt bien joué puisque elle va peut-être pouvoir tout de suite jouer cette fameuse rouge là qui est collée à la bande. Alors je sais pas si elle passe la blanche. Oui, elle passe. Elle passe. La blanche elle passe. Je sais pas si elle va. Eh oui, non, elle peut pas la jouer. Hein. Oui. Du coup, elle va partir sur cette rouge au milieu de table. Bravo. Belle bille. Et là, elle est un petit peu trop droite, peut-être. Elle voulait aller tout de suite chercher. Je pense que est-ce qu'elle peut tricher quand même. Ouais. Tout petit angle qui va lui permettre de s'arrêter sur cette jaune. Mais bon, techniquement, c'est un coup techniquement difficile. Difficile, oui. Oui, tout à fait. Il faut bien connaître son rejet. Mm-hmm, exactement. Sa hauteur d'attaque, tout ça. Ah, j'avais l'impression qu'elle était. Elle va décider de jouer tout de suite celle-ci. Ah, même là, elle se laisse un angle un peu. Ah ouais, elle souffle. C'est que c'est pas bon signe. Ah oui. Il fallait qu'elle avance un tout petit peu plus ou qu'elle recule un tout petit peu plus. Exactement. Ouais. Elle va être obligée de jouer cette dernière rouge. Peut-être en bande, hein, écoute. Hein. Voyons voir. Est-ce qu'elle va faire une hauteur d'attaque basse ou... Oui, basse. De toute façon. Elle décide de venir la chercher. Eh ouais. Ça suffit. C'est... Allez, ça c'est une visée. Exactement. Allez, c'est une visée. Elle le sait. Si elle rentre cette rouge, donc voyons voir où est-ce qu'elle va se replacer forcément avec la blanche, hein, mais le plus gros du travail aussi sur cette partie sera fait. Ah oh là là là. Elle loupe l'empoche. Donc ce qui donne eh bien, la main à Colette pour peut-être le quatrième point. Si elle joue intelligemment, là, la partie elle est pour Colette. Oui, hein. Tout à fait. Alors, la connaissant, je pense que voilà, exactement. Elle va venir snooker, hein, Sabria, construire son jeu, hein, essayer de l'améliorer et en même temps de cacher la blanche pour que Sabria ne puisse pas voir sa dernière bille de couleur, donc la rouge. Elle lui laisse quand même voir la bande. Oui, et Sabria est plutôt costaud en bande. Hein, c'est ça. Donc, bon. Et puis tout peut se passer, un coup fort. Ah oui, tout à fait. Tout peut se passer. Eh bah, ben décidément. Donc déjà, elle la touche. Voilà, il n'y a pas faute, hein. Donc, c'est-à-dire que Colette n'a pas deux coups, elle est obligée de jouer de là où elle est, tout simplement. Alors, voyons voir, elle l'attend forcément au milieu. Dans tous les cas, même si elle la loupe, elle lui laissera rien à jouer. Oui, exactement, puisque le rejet de la blanche, voilà, eh ben, elle arrive exactement ici. Donc si elle ne la rentrait pas, alors là par contre elle n'est pas forcément en bonne posture, mais bon. C'est pas bien grave, elle va essayer de venir juste décoller cette jaune là qui est sur la bande et de venir une fois de plus snooker, on va dire mettre total Sabria. C'est un coup délicat parce qu'elle risque. Ouais. Il y a le risque elle de essaye blanche. De. Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, elle l'a très bien effectué. Et ce qui bloque Sabria pour la bande, hein, la grande bande. Ouais. Hein, elle a plus le choix que le deux bandes qui peut passer. Exactement. Alors, un coup technique, hein, attention. Ah, hein. Ah, voyons voir. Effet latéral à droite pour couper la trajectoire. Oh, c'est pas passé bien loin, malheureusement pour Sabria. Elle ne touche pas sa couleur à très très peu de choses. Hein. Ah, mais il n'y a même pas un centimètre. Eh oui. Donc là, l'arbitre prend la blanche, comme vous avez pu le voir, il la nettoie, puisque tout simplement, ce qui donne le droit à Colette d'avoir deux coups. Donc son premier coup, elle a le droit de faire un tir libre. Elle a le droit de toucher la bille de l'adversaire et de venir la mettre dans un endroit qui est presque, je dirais, irrentrable pour Sabria si elle n'est pas bien replacée dessus. Et donc là ensuite, eh bien Colette peut travailler sur sa tour. Exactement, voilà. À voir si elle part l'attaque, ce qui m'étonnerait, hein, puisque là où est sa blanche, je ne pense pas qu'elle puisse vraiment
partir à l'attaque, à voir si elle fait le bille sur bille. Mais bon, je pense plutôt qu'elle va essayer de jouer la blanche. Eh oui, non, elle part à l'attaque. Allez, c'est très bien joué. C'est parti. Elle se dit, c'est maintenant. C'est très bien joué. Oh, c'est bien la ouais, langue qu'il faut. C'est pas mal. Alors, je serais peut-être un peu plus remontée. Ouais. Mais bon. On peut pas être parfait à chaque coup. Non, ouais, exactement. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, elle vient. Ouh, ça c'est. Oui. Quitte à être un tout petit peu plus loin. Eh oui. Mais au moins d'avoir une bonne quantité de billes. Ouais, ouais, exactement, ouais, c'est ça. Peut-être qu'elle aurait pu tricher un petit peu dans la poche pour essayer de pas même choquer. Jouer un petit rétro, faire la bande, ressortir un petit peu plus loin, mais toujours avoir essayé d'avoir plein, quoi. C'est vrai. Oh, très belle empêche. Ouh là 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 là. Oui, c'est pas passé bien loin que cette blanche tombe en poche du milieu. Alors, pas simple, hein. Elle se laisse deux billes jaunes avec des angles pas simples du tout. Voyons voir ce qu'elle va nous donner. Est-ce qu'elle va juste vouloir venir choquer cette jaune? Ouais, voilà, elle joue la blanche. Oui. Voilà, c'est très bien joué. C'est très bien joué. Et oui, elle ne prend pas le risque, elle le sait. Sabria peut pas faire grand-chose à part une bande. L'envoyer sur sa jaune. Et oui, voilà, c'est ça, en bas à droite. Si elle arrive à envoyer la rouge pile poil entre la jaune et la bande, exactement. Elle peut passer devant. Ouais. Exactement. Mais pour le coup, la Sabria le sait, elle est. Voilà, un peu bloquée. Ouais. Elle est, voilà, c'est ça, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant ou jamais. Elle est dos au mur. C'est parti. C'est soit tu brilles maintenant. Ah non. Ah là là, elle l'a prise un peu trop fine. Elle la met quand même devant ça. Ah oui, elle la met quand même devant sa jaune. Eh bien écoute, dans son malheur, on va dire qu'elle aura peut-être la chance de pouvoir rejouer, de revenir sur la table. Ouais, Colette et se dit... Et même ça peut peut-être lui permettre de gagner une partie, une petite erreur. Et oui, une petite erreur de Colette, oui, tout à fait. Colette, je pense qu'elle va choisir tout simplement de venir doucement sur sa jaune. Voilà. Elle la met totale. Oui. Puisque la jaune revient doucement se coller sur la blanche et Sabria ne voit pas sa rouge. Elle est obligée de faire... alors attends. Deux bandes. Une, deux... Oui, minimum. Alors, si elle est assez à droite, elle peut faire la bande avant. Mais si... Ah, non. Alors attends, elle essaye de faire un petit massé pour bien, juste venir... Bien. Oh, c'est bien joué. Bien joué. En plus, c'est bien joué. Oui, c'est bien joué. Très bien joué, Sab. Est-ce qu'elle va sortir la jaune derrière la rouge tout en laissant la jaune bien proche de la rouge pour. Oui, non. Je sais pas. Est-ce qu'elle va Oui, elle hésite. Et elle va venir. Oh, ce serait bien joué. Oh, c'est bien joué. Hein. C'est bien joué, Colette. Hein. Ah, ça peut passer hein, au fond. J'arrive pas bien. Non, ça passe au milieu. Avec le bec. Avec à la rigueur un tout petit bec avec la jaune, c'est-à-dire un appui, pardon. Ouais. Un appui jaune très léger, mais alors. Ou elle peut faire la bande ouais, avant. Ouais, voilà, je pense plutôt que c'est ça. Ouais. C'est ce qui est le moins plus. Compliqué, ouais. Voilà, et c'est ce qui va lui donner le plus de probabilité que ça se passe au mieux pour Sabria Brunet. Menée pour le moment 3-1. Bille décisive pour elle. Elle le sait. Voyons voir. Soit elle la met, soit... Eh bien, derrière, Colette s'occupera de la fin de table. Ça, c'est une évidence. Bravo, oh, c'est bien joué. Bravo, Sabria. Belle bille. Bravo. Donc, je le disais, hein, Sabria, faut pas lui laisser trop de bandes. Hein. Elle s'en est très, très forte en bande avant. Allez, Sab, elle le sait. Elle a fait le plus dur. Tout s'est craqué sur celle-ci. Ouais. Voilà, c'est maintenant. Tu dois la rentrer. Pas une bille facile. Bravo Sab. Franchement, bravo. Voilà, on la voit serrer le poing puisque là, elle revient de loin. Elle le sait. Elle a été au bout. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'ascendant psychologique. Là, elle le reprend. Hein, ça lui redonne confiance. Donc, forcément, qui dit confiance, qui dit capable de bien se remettre dans le match et peut-être de le gagner, hein, tout simplement. Donc on répète le score, 3-2 en faveur de Colette Henriksen. Et c'est
à Colette de Cassé, je crois. Alors, on va le voir tout de suite. J'ai un doute. Oui, si, si, c'est à Colette. Eh bien non. Bah, décidément, on ne va pas y arriver avec les casses. C'est à Sabria. La casse. Donc là, c'est bien pour Sabria, psychologiquement parlant, parce qu'elle vient de remporter une partie qui lui était presque, je dirais... Elle était perdue d'avance, normalement. Elle était presque perdue, hein, tout simplement. Oui. Et donc derrière, elle casse, donc ça la met en jambe, hein, tout simplement. Allez, c'est parti, voyons voir un petit peu la casse qu'elle va nous proposer. C'est plus du tout le même match maintenant. Et oui, oui, oui. 3-2, c'est... tout peut se faire encore. Et tout à fait. Elle recolle, et en plus, elle rentre. À la casse. Avec une table rouge ouverte. Oh, c'est pas mal, hein. Alors, elle passe... Oui, c'est plutôt pas mal. Pas simple, quand même, la confirme mon rouge, hein. Pas simple, mais c'est... Elle le sait, c'est maintenant. Les jaunes aussi sont... sont oui, sont, c'est ce sont que j'essayais de regarder un petit peu. J'ai l'impression que la jaune, devant la blanche... Oui. Elle peut passer au fond, j'ai l'impression. Ah, oui, d'accord. Oui, peut-être bien, oui. Celle qui est entre les rouges. Ouais. Qui est au milieu de table, là, vraiment ouais. Milieu. Oui. Eh bien, voyons voir. On va le savoir dans quelques secondes. Va-t-elle prendre les jaunes? Juste si elle peut la mettre, en effet, derrière... Si elle la met, c'est table ah, oui. Ouverte complète. Ouais. Là, elle sait qu'elle peut aller au bout, quoi. Elle plus, peut recoller tout de suite à 3-3. Elle est en train de voir, parce que c'est soit elle joue cette rouge, et eh bien, elle décide de partir sur rouge. Allez. Elle décide de la jouer au milieu. Même pas du tout, d'accord, Émilie, je n'avais pas du tout vu qu'elle passait comme cela. Oh bah, je suis très bien joué. Bon, là par contre, où elle reste la blanche, ouais. Oui, c'est pas simple. Colette qui montre aucun signe d'agacement. Oui, non. Colette, c'est la force cool, tranquille. Ouais. Très cool, ouais. Oui, oui. Oula, j'ai eu peur. Ouais. Voilà, donc Sab qui décide d'arrêter un petit peu d'attaquer. Elle a juste voulu confirmer les rouges, hein, pour qu'elle ait bien les rouges. Et là, je pense que ça va partir dans une partie... Je pense que c'était une attaque-défense. Si elle rentrait, elle allait continuait. Au bout de la table. Et si elle ratait, ça laissait pas grand-chose à jouer. Non, je pense que c'était vraiment son but. C'était juste de venir un petit peu embêter là, et de venir prendre cette poche. Et Colette qui a essayé en même temps de rentrer sa bille, de venir enlever la jaune qui était derrière la rouge de Sabria. Hein. Et ça s'est plutôt mal passé. Donc là, oui, elle se retrouve avec, avec un jeu... Il y a deux grosses difficultés quand même. Hein. La jaune qui est derrière la rouge et la jaune qui est collée bande. Elle décide... Oui, c'est plutôt bien joué. Elle a voulu aller chercher, chercher sa... Elle va garder ce jaune collé bande pour aller faire un genre de bec sur la rouge pour libérer voilà, sa jaune. Oui, voilà, un appui. Exactement, ouais. Tout à fait. Peut-être pas au final. Ou juste prendre la poche et... Oui. Le bec, il y est, mais dommage. Oui. Personnellement, j'aurais peut-être joué la jaune au fond pour avoir une replace un peu plus droite dessus. C'est vrai. Pour avoir un meilleur appui, quoi. Mieux favoriser cet appui pour que ça se mette bien en place. Et oui. Alors, continue-t-elle d'attaquer ou est-ce qu'elle va juste prendre la poche de la noire? Oh, faute. Oh oui. Alors faute, c'est-à-dire que Colette n'a pas touché sa bille. Je pense que ça penche. Le billard a peut-être un tout petit peu penché geste qu'elle a fait. Elle voulait prendre peut-être trop fin. Trop pour fin. Rester, oui, voilà, la quantité de billes était peut-être pas forcément bonne. Soit le billard penche, ou soit. C'est une erreur de visée. Je pense qu'elle a peut-être pas forcément joué le bon dosage. Et à un moment donné, parfois, voilà, ça peut prendre quelques micro-poussières. Mais je pense qu'en effet, la quantité de billes était un peu trop fine. Elle aurait pu jouer un peu plus plein, quoi. Oui, elle s'est mise en danger, là. Sab qui commence son premier coup en plaçant son jeu. En laissant bien la jaune à côté de la rouge pour qu'elle aille elle-même libérer le problème. Voilà, exactement. Et là, elle n'est pas forcément bien contente de la position de la blanche. Oui.
Je pense pas qu'elle va tenter un coup de snook ou quoi. Je pense qu'elle va juste aller la forcer à aller, enfin la forcer à partir à l'aventure, quoi. Elle essaie de fermer cette table jaune pour qu'elle aille libérer le problème et que après à l'erreur, elle ferme, quoi. Bien joué. Bien joué, Sob. Alors est-ce qu'elle va y aller tout de suite? Soit elle y va tout de suite, ouais, ou soit elle. Va-t-elle prendre sa chance maintenant, tout simplement? Elle le sait. Alors, on va être. Ça va nous confirmer ce qu'on dit dans quelques. On va confirmer ce qu'on dit, pardon, dans quelques secondes. Non. Oui. Elle n'est pas bien contente de son placement. Soit elle va pocher la rouge qui est en face d'elle et à venir buter ce jaune, oui, pour essayer d'avoir un angle et, oui, finir à libérer. C'est vrai, oui. Ça se pourrait bien qu'elle s'arrête dans cette jaune. Elle a langue pour. En plus, elle peut se mettre de l'angle sur ce rouge. Voilà. Ouf. Eh bien, c'est parti. Hein. Elle a donc juste en... à la rentrée, ouais, et toucher, c'est tout. Exactement. Du moment où elle touche, c'est bon. Alors, faut toucher quand même le bon côté. Hein. Oui, quand même. Attention. Bravo. C'est très bien joué. Bravo, Sabria. C'est bien joué. Eh bien, 2-3, va-t-elle recoller et donc nous donner le bonheur de pouvoir avoir une belle sur cette finale féminine? Attention. Voilà, très bien. Donc, il fallait vraiment éviter de se mettre le par-dessus, hein, c'est-à-dire que jouer par-dessus la jaune, ça, c'était le but. Allez, voyons voir Sabria, concentrée. Va-t-elle nous empocher cette noire? Oh, Sabria. Alors là, c'est... Là. Ah oui, c'est rare. Là, c'est rare. Là, c'est... Oui, bah, elle peut s'en vouloir parce que là, vraiment, elle donne une opportunité incroyable à Colette de pouvoir tout simplement mettre le dernier coup de hache. Hein. Alors là, oui, Sab, c'est pas du tout commun de l'avoir, on appelle ça, crocheté comme ça. C'est pas commun. Oh, la blanche qui rentre. Incroyable, cette fin de partie. Incroyable. Oh. Alors là, vraiment... C'est là qu'on vous dit que le billard, c'est un ascenseur, c'est jamais... émotionnel. Ah oui, oui, hein, c'est jamais fini. Hein. Quand la noire est sur le tapis, rien n'est fini. C'est un jeu incroyable, au suspense, incroyable aussi. Allez, eh bien... Une belle. C'est parti pour la belle. Hein, le suspense est à son comble. Oui, Colette aussi peut... Ah oui, elle peut s'en vouloir, puisque là, oui, elle a... la hauteur d'attaque n'était pas bonne, quoi. Je pense qu'elle pensait peut-être pas revoir la table et du coup, parfois on se dit, bon allez, celle-ci, je vais pas la revoir, donc du coup, autant me mettre à fond sur la dernière partie. Et là, Sabria qui craque cette noire, incroyable. Alors, cette belle, ça va être soit une sèche ou soit une partie vraiment tactique. Voilà, donc là, ce que tu appelles communément sèche, chez nous, ça veut dire, enfin, pour vous, mesdames et messieurs, ça veut dire une casse ferme, c'est-à-dire que si Colette casse et qu'elle rentre une bille, à voir comment est placé le jeu sur la table de billard, forcément, eh bien, elle peut ne pas laisser l'opportunité à Sabria de pouvoir venir sur la table de billard essayer de s'exprimer et de rentrer ses billes. Voyons voir. Allez, c'est parti, go! Golden, oh, elle refait la casse. Donc, vous venez de voir la noire tomber. Alors, du tout. Voilà, c'est ça, oui. Donc, vous venez de voir la noire tomber à la casse, c'est-à-dire que, eh bien, tout simplement, on recommence la casse. On refait le triangle et le même joueur casse. Le suspense est quand même à son comble. Hein. Là, 3-3 avec deux belles joueuses comme ça. On ne peut pas dire. Là, on ne peut pas dire qui a l'ascendant sur qui. Je dirais peut-être par rapport au... Colette menait 3-1 et là, le fait
que Sabria soit revenu à 3-3. L'ascendant est plutôt du côté, je dirais, vers Sab, hein, tout simplement. Mais à voir, parce que Colette ne va certainement pas se laisser faire aussi facilement que ça. Allez. Deuxième elle tentative. Recaisse. C'est parti. Attention. Elle n'empoche rien. Et elle oh laisse une table. Et oui, oui, oui. Alors, pas simple. Il y a du travail. Mais il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Oui. Il y a plusieurs billes au même endroit, ce qui peut permettre d'aller libérer d'autres billes. Mais cette fameuse jaune en haut à gauche, qui est derrière la rouge, c'est la plus embêtante au niveau du jeu de jaune. Oui. Parce qu'elle est plutôt isolée. Ça va pas être simple. Elle peut aller la chercher. Eh bien, je pense qu'on va avoir de la chance de pouvoir. Que vous puissiez rester un peu plus longtemps avec nous, puisque ça va être une partie plutôt stratégique. Sabria va essayer de confirmer en rentrant une bille de la couleur souhaitée, hein, qu'elle veut. Elle va essayer d'en rentrer une, et ensuite, eh bien, à voir. Allez, elle part sur jaune. Ok, c'est parti. Jaune confirmé pour Sabria Brunet. Elle peut aller la chercher avec une bille du milieu. Oui, sur la bille qui est vraiment au milieu, là, à côté de la poche, peut-être. Ou même aller chercher une replace derrière le tas de rouge. Oui, pour essayer de la jouer au milieu ou en haut à droite. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais, elle décide de partir à l'attaque. Allez, elle se laisse un mauvais angle. Oui. Je trouve pas qu'elle a un mauvais angle, hein. Elle peut... Alors, c'est vrai que quand on a du mal quand même à vraiment voir, puisque quand on n'est pas sur la table, très souvent on le dit, hein, c'est pas simple. C'est autre chose. Oui. Alors voyons voir ce qu'elle va tenter. Est-ce qu'elle va s'arrêter là dans l'attaque et du coup essayer plutôt de jouer ce qu'on appelle une attaque défense, hein, placer son jeu et laisser l'adversaire dans une position compliquée. Je pense pas qu'elle va défendre, elle s'est déjà assez découverte là. Oui, c'est vrai. Elle a déjà assez ouvert le jeu du coup à elle et à l'adversaire. Ou tout simplement aller prendre la poche là-haut. Donc, et libérer en même temps sa jaune. Là, c'est compliqué. Oh là, oui. Parce qu'en même temps, elle ouvre le jeu de Colette. Elle a fait le travail de Colette. Oui. Un petit peu. Oui, Colette le sait là. Faut qu'elle en profite. Oui, tout à fait. Soit jouer le coup parfait ou fermer. Ouais, elle prend l'extension. Parce que là, du coup, ça mérite quand même réflexion, hein, cette table rouge. Part-elle maintenant à l'attaque? Comment? Elle va venir buter cette jaune. C'est très bien joué. C'est très bien joué, tout simplement, parce que là, elle met une difficulté à Sab. Voilà. Elle rentre une de ses billes et en même temps, elle vient... Pourrir, hein, c'est dans notre langage un petit peu dans le monde du billard. Elle vient pourrir un petit peu le jeu de l'adversaire, hein, c'est très bien joué. Voilà, hop, que des petits coups. Ouh, elle est venue se coller. Oh là là, elle est coulée. Oh, alors peut-être qu'il aurait fallu jouer un tout petit peu plus fort pour venir s'appuyer et non pas juste toucher cette jaune. Eh oui, elle ne peut pas jouer. Elle ne peut pas la jouer, sa rouge qui est juste là. Voilà, on le voit très bien sur ce gros plan. La blanche est collée à la jaune. Donc c'est-à-dire que si elle joue en direction de la rouge qui est juste à côté de la blanche, eh bien la jaune va bouger et il y aura faute. Donc c'est pour ça qu'elle décide de jouer plutôt cette rouge-là. Allez, eh bien Sabia revient sur la table. Alors là, c'est pas simple. Ouh, la squelette, oui. Je pense qu'elle va juste venir au moins décoller cette jaune de la bande et laisser la blanche... Non, elle décide de la laisser et de partir directement s'occuper de cette jaune en haut et de venir jouer cette jaune en bande. Ouh, ce serait plutôt très bien joué, ça. Est-ce qu'elle passe longée de bande? Justement, hein, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas si elle passe. J'ai du mal à voir, oui. Je pense pas. Ouais. Ah, quoique. Non. J'ai du mal à voir. Peut-être qu'elle doit passer, mais vraiment à rien, quoi. Non, ouais, voilà. Ouais. Allez, elle décide de poser le jeu, Sabria. Elle décide de venir prendre la poche
C'est un coup stratégique, hein, tout simplement. Elle décide de laisser sa bille jaune en poche pour que ça bouche le trou pour Colette, tout simplement. Et donc Colette ne peut pas rentrer cette rouge. Colette qui décide de venir un petit peu bloquer la noire. C'est très bien joué aussi. Très bien joué. Ouais, c'est parti. On se dirige vers vraiment une partie stratégique. Alors, Sabria va tenter certainement la bande inverse. Alors, elle regarde, parce que là, elle le sait. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Oui. Elle est bien positionnée. À voir. Ah, ouais, non, non. Elle dit qu'elle voilà, elle ne colle pas, la jaune en haut. Donc, à voir si elle va plutôt faire un coup d'attente. Voilà. Elle fait un coup d'attente. Hop. Oui, alors, elle voulait peut-être pas autant déplacer la jaune. Peut-être plus vraiment la mettre bien en poche. Mais bon, c'est pas grave. Là où elle laisse la blanche, hein, pour Colette. Est-ce que la jaune, en haut, là, est-ce qu'elle passe à côté de la rouge ? Eh bien, oui, c'est vrai que je sais pas. Si elle peut faire le bille sur bille, du coup, ensuite, peut-être. Ouais, voilà. Colette qui décide vraiment de verrouiller la table. Elle vient approcher sa rouge sur la jaune de Sable pour que vraiment, eh bien, Sable ne puisse plus aller la chercher facilement. Voilà. C'est parti. Sable qui met bien sa bille jaune en poche pour contrer au cas où Colette... Alors, cela c'est un jeu d'échecs, hein, très clairement. On part dans le jeu d'échecs. Alors là, la jaune de Sabria qui est juste à côté de la noire, ouf, elle va être, va pas être simple à aller chercher. Je sais même pas si elle passe. Elle a une toute petite fenêtre, mais non, elle passe même pas en bande inverse. Donc, au milieu. Il y a 26. Jérôme, Stéphane, Pierre, Delphine. Ouais, c'est les débloquer peut-être. 38, passer derrière. Anthony Cotreau. Bien sûr. Oh, c'est... oh là là. Mais ça, c'est... Ce que vous venez de voir, c'est un coup technique très compliqué. Hein, tout simple. Elle vient de faire une hauteur d'attaque basse, mais tellement souple. Hein, ça s'appelle un rétro. Tellement souple que du coup, vous avez vu la blanche qui vient de faire un arc de cercle. Pardon. C'est très bien joué. C'est très très bien joué. Elle est totale, hein ? Eh oui ? Juste de venir la toucher. Voilà, juste de venir la toucher, l'arbitre va valider ou non le coup. C'est valide. C'est valide, c'est très bien joué. Donc, eh bien, Colette se retrouve dans une position pas simple, puisque, ouais, il va falloir qu'elle touche tout doucement sa rouge pour venir... Ouais, voilà, c'est bien joué. Pour venir forcer Sabria à rentrer cette jaune en poche, tout simplement, hein. Et du coup, elle se retrouvera en difficulté avec sa jaune qui est derrière. Mais... Ah oui, puis en plus, elle a bien collé la blanche. Elle ne peut même pas faire de bande avant Sabria pour venir... Non, c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Colette. C'est elle très bien joué. Très elle va fine. Très, très fine. Elle va surtout pas tenter de la rentrer. Voilà, c'est bien joué. Là, vraiment, on est sur une partie, comme je vous disais, stratégique. C'est-à-dire que chaque adversaire, dans le cas de Colette, elle essaye vraiment de surtout pas rentrer ses billes, hein, et de venir un petit peu casser le jeu de Sabria, qui est plutôt en bonne posture. Et donc, là, Colette, elle vient d'essayer de bloquer cette dernière jaune à Sabria, qui n'est pas en poche. Et il faut savoir qu'il y a encore la noire qui est bien bloquée aussi. Hein. Donc, les deux joueuses mènent un beau combat, là. Ça peut être le coup qui va tout changer. Oui. Hop là, elle vient libérer sa jaune. Et laisse Colette, eh bien, avec une blanche plutôt difficile. Hein. Mais la noire est bien verrouillée, là. Très, très bien. Bah oui, forcément, Colette va essayer de la mettre totale. Juste toucher et hop, c'est très bien joué. Très bien joué de la part de Colette. Très bien dosé. Bravo. Donc voyons voir, est-ce que ça va pouvoir va toucher une de ses billes. Si elle ne touche pas, ça donne le droit à Colette d'avoir deux coups. Voyons voir. C'est parti. Oh, elle touche sa jaune, mais elle rentre la blanche. Eh bien oui, ce qui donne deux coups à Colette. Alors là, ça change la donne, hein. Ça change la donne, pourquoi ? Puisque Colette peut rentrer une bille de l'adversaire, elle peut jouer aussi une bille de l'adversaire à son premier coup, et ensuite, eh bien, elle jouera ses billes tout simplement. Donc là, je pense qu'elle va rentrer en bas. Hein. Oui, un coup, c'est logique. Allez, hop. Voilà.
Donc forcément. C'est reparti pour un snack. Et oh bah oui, là, elle le sait. Elle va essayer de la manger. C'est la belle, hein. Donc là, on donne tout, hein. On donne tout. Elle partira à la ferme. On va dire, pardon, à la ferme, elle essaiera de partir à l'attaque, Colette, que quand vraiment elle sera certaine de plus avoir de difficultés sur sa table. Oh, elle passe pas un petit peu en bande avant ? La Sabria ? Sur sa jaune au loin. Au fond, ouais. Oui. Alors là, je pense qu'elle passe même naturellement. Hein. Ouais. Même pas de bande. Ouais, ouais, d'accord. Voilà, même si elle tombe, Sabria est quand même passée. Oh bah, si elle la fait juste tomber, elle aura l'angle hein, pour aller libérer la noire. Oui, c'est vrai. Oh, elle a mis beaucoup trop d'effets. Ouais, elle passait peut-être pas. Ou à moins, ouais. C'est compliqué hein, de faire, non, c'est vraiment pas simple. Faire un genre de massé entre une bande. Eh oui, c'est pas simple. C'est tellement, tout est tellement millimétré. Mm. Allez, c'est reparti. Colette qui gratte, hein, qui fait son qui fait son trou là, c'est parti. Elle décide, hop. Aïe. Ouf. Ah oui. Elle lui met deux billes devant les poches. Ah oui, 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 oui. Elle voulait rentrer la bille de Sabria pour que Sabria puisse avoir plus qu'une bille là-haut. Et forcément, quand on est en infériorité numérique sur la table au niveau de sa couleur. On a bien plus de probabilité de perdre. Ouais, et oui, on a moins de chances de gagner. Ouais. Alors là, Colette, elle n'est pas très bien. Elle le sait. Elle va essayer de partir à l'attaque. Ou à moins, je dois juste prendre... Ouais, voilà, c'est ça. Parce que du coup, elle tient encore la noire ou la noire passe au milieu ? La noire, j'ai l'impression qu'elle passe au milieu. Ouais. Oh, elle laisse le bec... pardon, l'appui... Ouh, alors là, la partie prend une toute autre, un tout autre visage. Ah oui, 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 complètement. La Sab, elle a vraiment... Elle lui laisse la gagne, hein. Pour sortir. Ah oui, 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 oui. Elle va rien lâcher, elle sait que là, c'est maintenant, soit jamais. Ouais. Ah oui, oui, oui. Qui tout double. C'est ça. Hop là, ouh là là. Alors attention, mesdames et messieurs, on va tout de suite savoir qui, entre Sabria Brunet ou Colette Henriksson, va gagner cette finale féminine. Elle a l'air c'est parti, elle a l'air de passer. Sabria regarde cela. Est-ce qu'elle va gagner donc son... Excuse-moi, Sabria, je ne sais plus si c'est son deuxième ou son troisième open. On va tout de suite le savoir. Elle joue sa dernière jaune. Attention. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué. C'est très bien joué. Allez, elle respire, elle le sait, c'est maintenant. Colette, c'est la dernière bille du match à rentrer. Colette s'en veut un peu là. Ah oui, je pense que je pense que là pour le coup d'avoir laissé cette énorme opportunité à Sabria. C'est parti, voyons voir dans quelques secondes qui sera la grande gagnante. Oh là 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 là, c'est pas vrai Sabria. Alors, faut savoir que ce sont des billes complexes. Hein. Elles sont lourdes. Hein. C'est la noire de gagne. C'est la poche du milieu. Les poches du milieu sont plutôt... compliquées. Ouais. Oui, oui, oui. Elles sont restrictives. Hein. Oh là 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 là. Faut qu'elles soient jouées à la bonne vitesse. C'est parti. À la bonne vitesse. Oui. Ah, oui. On ne peut pas tricher dans cette poche du milieu. Il faut être parfaite, tout simplement. Au moindre écart, la bille, elle sort. Eh ben, elle fait ça. Elle fait le coin-coin qu'on appelle. Hein. Elle prend les deux coins. Oh là là, Sabria, tu peux t'en vouloir là, oui. Ah, Colette, elle se laisse quand même un mauvais angle. Hein. Oui. Elle peut ressortir couler, ou pas Oui, elle peut. Ah, elle prend l'extension. Elle va ressortir en coulée, peut-être pour jouer la bille le plus au fond de la table. Oui, alors là, c'est pas simple non plus, hein, dis donc, hein, fou. Est-ce qu'elle peut faire un amorti pour essayer de jouer aussi au milieu cette rouge, qui est pas simple. Je pense qu'elle voulait revenir un peu plus vers la droite encore avec cette blanche. Voyons voir, c'est parti. Bon, ben, hein, suspense jusqu'au bout, mesdames et messieurs. Oh, incroyable, incroyable. Et oui, elle était pas sûre d'elle. Alors là, ça donne l'opportunité. Hein. Ben, allez, là, zéro risque de blanche. Sabria le sait, c'est une simple visée. C'est du 100%. À voir. Allez, attention. Tout peut se passer. Quelques secondes et on le sait. On est fixé. Elle le sait. Bravo Sabria, bravo Sabria Brunet, bravo. Grande gagnante de ce tournoi national numéro 4 à Dreux.
Bravo, ah, elle est contente. Elle est contente puisqu'elle le sait. Hein. Menée 3-1, elle arrive à prendre ce match 4-3. Elle est solide. Bravo, ah, elle est très très solide. Bah, c'est deux très joueuses solide. Très solides mentalement. Et vraiment, merci à vous deux, Colette et Sabria. Vous nous avez fait une fois de plus vibrer. Merci à vous. Un grand merci. Eh bien, franchement, j'ai été ravie de pouvoir présenter ce spectacle. Elle est très, très heureuse. Eh bien, mesdames et messieurs, on vous dit à très vite sur la chaîne Sport en France. Et merci une fois de plus de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci, Lénie. Bah, merci à vous.